il est mort. C'est à cause de moi. Oui. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Eric Fury. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu que vous ne connaissez sûrement pas, vu qu'il n'est pas trop connu, que je sache. C'est Ring of Elysium. C'est un Battle Royale assez spécial, vous allez voir. On se retrouve juste après. Alors, pourquoi c'est assez un jeu, un BR différent des autres? Tout simplement parce que quand vous allez commencer, vous n'allez pas vous larguer d'un avion quoi que ce soit. Là, on a la map du jeu et vous allez tout simplement sélectionner un endroit là où vous voulez spawn. On va aller on va aller par exemple ici, c'est pas mal. Et on peut choisir des améliorations. Moi, je vais prendre le grappin et la barricade. Et on peut choisir son arme de départ. C'est comme ça que ça commence, tout simplement. Et du coup, bah, c'est comme un BR, il va falloir ce stuff, récupérer des munitions pour des armes. Sachant que on va customiser un peu nos armes, changer les viseurs et tout. C'est ça que j'aime bien un peu dans le jeu, c'est que si vous préférez, en fait, grossièrement, c'est PUBG avec d'autres choses. Genre, vous voyez, ça ressemble à ça à peu près. Grossièrement, c'est PUBG, quoi. Sauf que c'est gratuit. Donc il y avait des ennemis par là-bas, parce que du coup, grâce à la map, tous les points blancs qu'on voyait sur la map, c'était des ennemis. Donc, on va se stuff et voilà. Attends, il y a un ennemi. C'est horrible. Moi, j'ai mis une balle, je vais le tuer. Ouais, ils avaient vraiment plus d'HP. Hein. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est nul. Let's go, on va aller en zone. Alors la zone, c'est tout ce qui est en jaune. Hein. Donc là, ça va être là où on doit aller. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que du coup, la zone n'est pas ronde, mais a des formes géométriques. Et du coup, c'est pas un vieux cercle tout bête. Et j'ai oublié de le préciser aussi, quand on gagne, ça va être différent. C'est pas, il faut pas être le dernier survivant. Il peut y avoir maximum en solo, du coup, 4 vainqueurs. 4 gagnants, parce qu'en gros vers la fin de la zone il va y avoir un hélicoptère. Je vais y aller là parce que on va prendre le camion. Hop là, toi tu meurs. Il était bien éclaté par contre lui. Pause. Comme je venais de le dire, il y a un hélicoptère qui va arriver, parce que je n'ai pas continué ma phrase vu que je suis un gogol. Un hélicoptère arrivera en fin de zone pour récupérer les 4 derniers survivants. Sauf que l'hélicoptère sera marqué dans, sera
l'emplacement de l'hélicoptère sera marqué. Et vu qu'il sera en train de voler, il faudra, y aura une, il descendra une échelle et il faudra grimper à l'échelle. Mais pendant ce temps que tu grimpes, tes ennemis peuvent te tirer dessus. Et c'est là tout l'enjeu de généralement poser, balancer des smokes à l'emplacement pour te camoufler. Bonne vidéo. On va prendre ça quand même. M81, je la préfère, je trouve. Plus sympa. Elle est un peu plus sympa. Alors... J'ai déjà un casque. On va prendre des grenades. Attends. Alors, on va prendre. En vrai, ça, on va le jeter. On va récupérer leur soin. Parce que le soin. La zone, elle fait extrêmement mal hein, dans le jeu. Alors, on va prendre un gros truc. J'entends les tirs. J'ai pas de snipe. Ça, c'est dommage. On va voir s'il n'y a pas un snipe rapidement. Non. Après, ce que je peux faire, c'est... Je le mets là. Et dès que je tire, je change le mode de... Je la mets plus en auto. Tac. Voilà. Comme ça, maintenant, ça tire une balle. Par une balle. Enfin. On va pas encore changer. C'est par là que ça tire. Il y en a aucun doute. Ah, j'en vois un. Deux hits. Ah, il y en a un là. Mort. Alors, le problème, c'est que vu que ça manque de joueurs, ce jeu, et bah, il y a souvent des bots. Ça, c'est un des problèmes. Donc, tu te retrouves contre des bots qui ne bougent pas ou qui te tirent après. Au bout d'un petit moment dessus. Mais sinon, c'est pour ça que là, genre, pour la vidéo, je joue pas en squad. Je vais peut-être faire une game de squad. Parce que là, il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent en squad. Et bah, après, c'est plus sympa. C'est différent, quoi. J'ai pas du tout de sniper, ça, c'est vraiment un problème. Parce que le sniper, c'est vraiment le, c'est l'arme qu'il te faut, quoi. Si t'en as pas, t'es dans la sauce. Oh, j'ai eu de la chance. Oh là là, punaise. Si vous aimez la musique, hein, comme je l'ai dit dans, comme dans une vidéo qui sortira, bah, si vous aimez cette musique, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement la musique de Tryhard que j'ai sortie. C'est des musiques que j'ai pris, que je trouve qui sont bien. Et voilà. C'est, j'ai fait mon auto-promo, je suis content. Faut que je me grouille parce que la zone, je suis plus très loin de la zone. Mais cette zone là, je la connais vu que je l'ai déjà eu. Elle est très problématique si t'as pas de snipe. Parce que ça va être dans les montagnes en haut. Donc il va falloir que je joue d'une façon différente. Va falloir que je rush les teams qui sont dans les hauteurs. Enfin, les joueurs qui sont dans les hauteurs pour essayer de récupérer le snap qu'ils ont. Slash à découvert. C'est bon. Alors ouais, des fois, il y a des petits bugs comme ça, mais bon, ça va. Bon, ça ruine pas trop l'expérience, de toute façon. Ah, j'ai vu un truc par là. Ah, voilà. Bonjour. Oui. What? Il m'a vu. Oh, je suis éclaté.
Pas de snipe. Va y voir s'il a des mines parce que je crois que je vais être bientôt à court de munitions si ça continue comme ça. On va prendre son soin qu'il a. Voilà, parfait. Et on retourne. Marais. Alors ça tire. J'entends deux tirs. C'est compliqué à entendre avec la musique. Peut-être que je baisserai le son à la prochaine partie. Où est-ce qu'il se fight? Ah, j'en ai vu un. La map elle se trouve là-bas, par là-bas. Okay. Pour lui, il était sans doute AFK. Ouais, cette game elle est pas trop intéressante, je trouve. Enfin, je fais plein de kills, mais après, c'est des bots la plupart du temps. Donc, elle est pas trop intéressante. Je la mettrai, hein, mais vous allez la voir, vous inquiétez pas. Un entier. Je crois que je gagne ou que je perde. Il était où? Ah, il était par là, non? Voilà, le mec que j'ai tué a disparu. Oh bah, parfait, il a un snipe. C'est pile ce qu'il me fallait. Alors, bah, ça on peut le jeter. Ça on récupère les mines. On récupère quelques mines, voilà. Faut que je me grouille parce que la zone elle arrive dans 1 minute 17 comme vous le voyez en bas. J'ai un snipe, ça va bien m'aider ça. Par contre je vais le recharger quand même avant. En vrai ce jeu je l'aime beaucoup. Il est sur Steam hein, si vous le cherchez à l'installer. Genre installez-le, on se croisera dans le jeu. Peut-être que vous allez me défoncer ou je vais vous défoncer comme vous voulez. Enfin bref. Ring of Legends c'est pas mal comme jeu. Oh, moustique. Des moustiques à l'aide. Je sais pas vous, mais moi les moustiques, genre vraiment, ils me bouffent. Genre l'année dernière. C'est un joueur ça? Non, c'est un caillou. Oh, par contre, il y en a un là. Il m'a vu. Si, il m'a vu. Il est mort. Ça, on prend. Ça, j'ai déjà. Oh, je suis éclaté. You serious? Mort. Alors j'ai eu du mal à les voir. On va juste reculer un peu. Alors voyez, l'hélico là il va arriver. Mince, j'ai cancel. Oh, je vais mourir, je pense. Hein. Non, je suis mort. Dommage, j'ai fait 9 kills. Non, mais c'était des bots. Ils sont juste mis à 2. Il y avait un joueur en plus. Ouais, j'étais en 3 contre. Bon, dommage. Allez, let's go to the deuxième game. Nous voici sur la deuxième game. Elle est encore en solo. On fera une troisième game. La troisième game, ce sera du squad. On sera avec des gens qu'on ne connaisse pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu se fight. Ça, c'est cool. Se fight un peu dès le début. Ça va être amusant. A tout de suite. Faut le déloger. Faut savoir où est-ce qu'il est. C'est un pilier. Non mais ça me perturbe. Les trucs d'entraînement militaire, mais genre. Ok, c'est mon ombre. J'ai eu peur. Je
Où tu es? Où es-tu? On va tirer genre un petit coup. Espérant qu'il monte sa petite tête. Si vous le voyez, vous pouvez m'engueuler là. Moi je ne le vois pas. Bon, comme on dit. Allons se jeter dans la gueule du loup. Es-tu? Il a dû peut-être se casser. Ça n'a pas été looté, hein? Ah, punaise, il est là. Il est mort. Alors qu'est-ce qu'il avait d'intéressant? Oh, il avait un meilleur snap que ça. Alors on l'équipe tout de suite. On met la crosse. Enfin, on va s'équiper d'une crosse sur notre 4-1. On va prendre un meilleur casque. On va prendre du soin. Ouais, il m'a fait peur le bougre. Vraiment, il est arrivé d'un coup. Il a fait coucou. Je suis là. Devant et derrière moi. Et où il est? Il est où? Je vois pas, il est où? Il doit être par là-bas. Ça c'est sûr. J'entends bien un truc. On va avancer. Mais il est où? Là, on me tire plus dessus, par exemple. Il est devant moi? Ou derrière? Ça qui est horrible, c'est d'un jeu, c'est que tant que tu te fais pas toucher... Attends. J'ai vu des je vois des flashs lumineux, ça doit être un bug. Oui, c'est un bug. Il est par là, hein. Ça c'est sûr. Il est soit par là, soit... Il est dans ces eaux-là, quoi, en tout cas. C'est pas un mini, ça. Ah, il y a un drop. Il y a un airdrop. J'ai plus beaucoup de bandages. Faudrait que j'arrive à le trouver et le tuer, le mec qui m'a attaqué. Ce serait plutôt bien. Alors, les airdrops, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un viseur x8. C'est super bien, les viseurs x8. Je suis en train de me déplacer en même temps que... Voilà, c'est bon. J'ai pu prendre ce qui m'intéressait. Alors, oui, mon arme a une sale gueule, je sais, mais... ça va. Par exemple, les ennemis là-bas, je les vois. Oh bah.
mort. Il était à 200 mètres quelques. En zone. Mais quand même, la chance que j'ai, genre, je vise au hasard et je trouve quelqu'un. Il y a un mec. Mais c'est dingue, c'est la lunette. Attends, genre je vais viser là, je vais le trouver. Ça, je vais voir un mec, c'est ça, non? Oh, mais c'est dingue, je vois tout le monde. C'est lui en plus qui m'a attaqué, je crois. Hein. On va juste récupérer vite ce qu'il a. Toi, t'as du bandage, c'est ce qui m'intéresse. Non, vite, faut viser. Mais t'es où? Il était par là, lui. C'est dingue hein, quand même. Genre vraiment je vise et je trouve quelqu'un au hasard. C'est quelque chose de... Non c'est pas quelqu'un ça. C'est ce qui s'appelle un panneau. Par contre c'est... Non, ça c'est ce qui s'appelle aussi un panneau. Où sont... Non. Allez, cette game on va la gagner pour vous. Qu'est-ce qu'il avait? Parfait, ça c'est pour la PM. On va juste jeter un peu ça, récupérer des munes, récupérer des bandages, récupérer ça. C'est bon, parfait. Bah, j'aime me faire 3 kills là, juste avec dans un boss snipe. Je l'ai vu. Ah oui, c'est ça de me rencontrer. Je suis Else. Elle tour. Je tue tout le monde. Bah voilà. Sympathique ça. Bon, par contre, le mec que j'avais tué en premier là, il est où? Son cadavre. J'aimerais quand même regarder sur l'équipement qu'il avait. Alors, on voit là, un truc. Alors faut faire attention à ce genre de structure parce que j'ai remarqué il y a souvent des gens qui s'y cachent dedans. Alors tu sais pas où ils sont. Du coup tu tires un peu au pif et genre tu les vois mais c'est trop tard parce que t'es mort. Alors. Je viens d'entrer dans une safe zone. Il faut que je trouve un bâtiment. Pour me poser 5 secondes. Il y a un mec. Mais je croise tout le temps des mecs. Mort. ARG déjà. Ça en prend. Ça fait des mines en plus. Il y a des gens par là-bas. On va les voir. Snipe. Ils sont du coup sûrement dans les bâtiments. Non, ils sont pas là. Ah mais il y a des gens derrière aussi qui se tirent dessus. Où il était? C'est pas un mec là? Où est-ce qu'il y avait des gens? On va tirer dessus par derrière. Où étais-tu? Ouais, on se met à découvert pour essayer de le voir. On voudrait juste pas qu'il y ait one-shot quoi. Je l'ai vu. Ah putain, j'ai fait... Mais il y a deux mecs. J'ai rêvé. Il y a un mec qui vient d'entrer et un mec là. Peut-être un mec derrière. Oui, les mecs là. Voilà. C'est lui sûrement.
qui me tire dessus. Je suis en train d'aggro tout le monde, hein, c'est dingue. Putain, mais il vise bien lui. Bon, enfin, ouf. Il est par là-bas, l'hélico. On le voit en bas dans la mini-map. C'est bon. Il y a personne. Mort. Voilà. Ouh. C'est stressant là, vraiment. Je tue tout le monde. Mais c'est quand même stressant. Alors, là, on va éviter de trop s'exposer maintenant. Parce que, comme vous le voyez, je vous ai expliqué, la zone, là, tout ça, c'est de la zone. Et le bleu, c'est là où va y avoir la zone. Ce qui veut dire que dans 1 minute 30, il y aura de la zone partout. Il faudra essayer de survivre le mieux. Et en plus de ça, il y aura un scanner qui fait que tu détecteras tous les joueurs et tout ça, où est-ce qu'ils sont. Donc, il faut éviter de trop se fight et garder un peu de l'équipement. Je vais juste me heal. Oh, oh, non, ah, dommage. Le mec, il était au dernier, au corps à coup. Derrière moi, je l'ai pas vu. Dommage. Bon, 8, on a fait top 5. Top 5, utile. C'est pas mal. Troisième game. Heureux. Alors, on se retrouve du coup avec une team. Nous sommes 3 en tout. Du coup, je vais prendre le Medic Gun. En gros, tout simplement, regardez bah, la cinématique qu'ils ont fait. Ça permet de tirer un truc qui reste. Sachant qu'on reste en 5 secondes, ça reste en 10 secondes. Mais c'est quand même pratique. Vu ça, on va. Non, peut-être pas par là. Si oui, si on va aller là. Hein. Vu qu'il y a les joueurs. Alors là, il y a très peu de bots. Enfin, c'est des teams de bots généralement. Mais il y en a très peu en tout cas, généralement. Je dis beaucoup de fois généralement, hein. Ouais, il déterre le orange. Et on se fait tuer comme des débiles. Je vais me retrouver en 1v3. Sachant que j'ai déjà fait top 1 en 1v3. C'était galère. Alors, c'est quoi l'arme qui va pop? Parce que ça a toujours du mal. D'accord, je vais pas faire du 1v3 parce que. Là, c'est bon. Ils sont tous ils sont morts. Ils ont tué deux personnes pour l'instant. C'est pas mal. Trois personnes, ils ont fait une team là avec juste un Glock. Pas mal. C'est très très bien même. Ce rifle on prend, ça on prend, c'est toujours des mines en plus. Il y avait bien une arme. Elle est éclatée, on prend. Hop là, voilà. Oui, j'aime bien parler. Aïe, il est pas gentil. Lui, il connaissait pas le frein. On s'est tous mis un coup de bandage. Let's go. Oh, Doom, c'est tellement bien comme musique. La musique de Doom. J'ai envie de voir un mec là et lui. Attends. Oui. Ya! Yeah. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On ne s'attaque pas au tueur de la moitié comme ça. Je vous punirai tous pour vos crimes. Je suis le tueur de la moitié. Ah cool. Bon, mais ils sont en train de se battre. Ok, d'accord, pas grave. Touché.
On utilise ça. J'ai loupé ma grenade pour revive. Ouais, il a un beau corps à l'intérieur. Hein. Tout en rien. Il n'y a pas de quoi, les gars. Non, on va garder ça vraiment pour un dernier moment. Ouh. Bon, on a fait un beau carnage. Moi, je veux voir le mec, ce qu'il avait. Que j'ai tué. Et il avait ça. Oui, ça, je l'ai déjà. Oh, je prends une balle. Il y en a un par là-bas. Je vais me soigner là, tu vois. Là, c'est là, je vais utiliser le medikit. Le gros. Qui dure longtemps. Oh, il y en a un là. Merde. Oh merde. Putain, mais on est en 32. T'as osé tuer mon allié? Bah, je vais te tuer moi aussi. Comment ça, ça se fait pas? Mais si ça se fait, il a tué mon allié. Mais punaise, mais il y a lui qui me tire dessus, il y a un mec qui me tire au-dessus, et il y a un mec qui est là-bas, là-bas, là. Wow. On n'a pas fait top 1, dommage, dommage, dommage. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Oh, dites-moi si vous l'avez aimé la vidéo, si vous trouvez ça, si vous trouvez le jeu intéressant. On va dire à 10 likes, je fais la suite, là où on top 1. Ciao les amis, c'était Rix Fury. Ciao. Ça fait deux fois ciao, mais je m'en fous.